puissant que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, c'est Mr. Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez vu mon dernier post communautaire, vous savez ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Gloob vont sortir deux épisodes qui sont très loin de respecter la chronologie. Comme vous savez, Gloob est une chaîne brésilienne qui diffuse Miraculous au Brésil. C'est l'une des seules chaînes à diffuser Miraculous au Brésil. Elle est très connue là-bas. Et aussi, si vous êtes un ancien de ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur eux, notamment les 5 fois noires de Gloob. D'ailleurs, je vous conseille de regarder cette vidéo car je pense qu'une nouvelle partie va arriver, surtout pour cette saison. Mais du coup, les amis, nous allons commencer par le plus important. Gloob vont diffuser deux épisodes. L'épisode numéro 12, Perfection, qui sera en lien avec le Miraculous du Dragon. Et le plus important pour moi, l'épisode 18, Émotion, qui sera en lien avec le Miraculous du Pan. Et je suis vraiment désolé, mais je n'approuve pas du tout l'idée. Pour moi, cette saison 5 de Miraculous est une saison 5 où on doit respecter la chronologie à fond. Chaque épisode est très important et est en lien les uns avec les autres. Que ce soit l'épisode 1, 2 et 3, 4, 5, 6, bref, tout est en lien. Le problème, c'est que Gloob, en sortant l'épisode 18, déjà, c'est un épisode qui est très important, il y aura Félix, il y aura Adrien, il y aura le développement de personnages qui va avec. Ils vont nous gâcher le développement qu'on va avoir dans l'épisode 17, le 16, le 15, le 14, le 12, le 13, le 11 et surtout le 10. Du coup, le choix des Kouami, voilà, on aura la fin du choix des Kouami, on aura du coup les autres épisodes, on sait que Moiro vont se sortir, on va savoir l'évolution de nos personnages, bref. C'était vraiment une très très mauvaise nouvelle pour nous. Et encore plus en sachant que Gloob vont continuer à nous gâcher Miraculous. Déjà, au tout début de cette saison, franchement, le fait qu'ils sortent les premiers épisodes en avance, ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Surtout que pendant les vacances, on a quand même eu droit à 9 épisodes pour commencer. Clairement, 9 épisodes qui étaient vraiment incroyables. On s'est dit, ça y est, la chronologie est enfin respectée et tout. Et ben non. Et il faut savoir que Gloob, là, ont donc décidé de bien se venger sur nous et du coup de sortir deux épisodes qu'ils n'ont jamais sortis, deux épisodes qui sont très importants, deux épisodes parce qu'ils les ont eus. Et le problème, c'est que là, ça m'inquiète, ça m'interroge et surtout, j'ai vraiment peur pour la suite de Miraculous. Si Gloob ont les épisodes 25 et 26, ils peuvent les sortir quand ils veulent. Et clairement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils les sortent maintenant s'ils les possédaient. Évidemment, les épisodes finaux ne sont pas terminés. Heureusement pour nous, sachez évidemment que pour certains qui disent « Ouais, mais Gloob, Jorzag ou Thomas Truc, ils peuvent faire quelque chose. » Non. Comme je vous l'ai dit, Gloob sont coproducteurs de Miraculous. Ils ont acheté les droits. Du coup, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Du coup, vous allez me dire « Ouais, mais c'est pour la communauté brésilienne. » Certes, mais c'est un manque de respect envers l'équipe, envers Thomas, envers Winnie, envers tous ceux qui ont travaillé sur le projet Miraculous. De savoir qu'une chaîne qui va utiliser Miraculous que pour l'argent, que pour avoir ça. Parce que Gloob, il faut savoir que Miraculous, ça marche. C'est comme pour Tfou. Tfou, personne ne regarde Tfou pour les dessins animés. Là, si Tfou fait des audiences incroyables à partir de 9h, ben c'est normal. C'est parce qu'il va y avoir un épisode de Miraculous. Surtout en saison 5. En saison 5, l'audience a explosé. En saison 4, Tfou n'ont jamais fait un aussi beau score lors de la dernière attaque de Papy Ambre. Je veux dire, c'est normal. C'est même normal. Mais le problème, c'est que Gloob, ils ont compris que Miraculous, ça avait un pouvoir. Ça avait quelque chose. C'était une machine à fric. Et là, ils sont en train de l'exploiter à fond. Alors, clairement, les miracleurs, je tiens à vous dire que moi, je ne regarderai pas l'épisode. Je ne pense pas le regarder, car je n'ai pas vraiment envie de me spoiler, même si je suis sûr de ne pas y échapper. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas m'envoyer de spoil. S'il vous plaît, ne me dites rien. Je ne veux pas savoir. Je vais peut-être même arrêter Twitter et Instagram pour éviter les spoils. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des vidéos ou ne m'envoyez pas. Ne me mettez pas en commentaire qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode. S'il vous plaît, je vous demande vraiment ça car je vous aime. Vous êtes vraiment une communauté incroyable. Et j'aimerais quand même que vous me respectez. Moi, je n'ai jamais spoilé quelque chose.
où j'ai toujours mis des alertes spoilers. Du coup, vraiment, la communauté Miraculous, faites très attention à vous, car il va y avoir beaucoup, beaucoup de spoilers lundi soir. Déjà que cette saison a beaucoup subi, notamment avec la Bible, les synopsis, les costumes, les modèles 3D qui ont fuité. Du coup, les Miracleurs, faites vraiment attention, car même si ça va être deux grands épisodes incroyables, il ne faut pas se laisser faire par Gloob. Il ne faut pas leur faire plaisir en regardant l'anime et en disant que c'est incroyable. Franchement, je vais attendre que ça sorte en français pour réagir. Mais du coup, les Miracleurs, faites vraiment attention. Et encore une fois, un gros message de soutien pour les équipes, que ce soit les équipes 3D, les équipes d'écriture, Thomas, Truc et tout le monde. Sachez évidemment que je vous respecte. Sachez évidemment que j'adore Miraculous et que j'espère vraiment, vraiment que ça va être la dernière saison que Gloob va nous gâcher.